Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Assetto Corsa. Donc je vais vous faire découvrir une nouvelle voiture, enfin une nouvelle voiture, plutôt une, on l'a déjà vue. C'est la Cupra qu'on va découvrir, mais une Cupra 2022. Donc j'ai déjà fait des vidéos sur la Cupra, mais là on est sur la dernière Cupra, donc 2022. Je vais vous la montrer un peu d'extérieur. Voilà, comme ceci. Bien modélisé quand même. Voilà, j'ai pris sur le site, il me semble, RTM, il me semble, un site anglais. Voilà, on voit mal. Je vais me remettre comme ça. Dès que c'est derrière. Ah, super bruit, hein. Voilà, je vous ai montré ça. Donc comme je vous ai dit, il y a plusieurs skins et nous on va faire quelques tours de circuit de piste sur le circuit de Zolder en Belgique pour essayer cette petite Cupra 2022 et voir ce que j'en pense et mon ressenti et tout. Allez, on va se mettre à l'intérieur. Ah, super bruit, hein. Premier tour tranquille, on va chauffer les pneus. Ah, super bruit cette voiture aussi. Bon, la modélisation intérieure est basique, hein. A l'air d'avoir un bon feeling, hein, là-dessus. Hein. Bon, c'est du TCR, hein, c'est de la traction. Hein. Allez, on a fait un tour, on va se lancer. Ah, ça s'ouvre, hein. Normal, hein, logique, c'est de la traction. Hein. Ça s'ouvre beaucoup. Hein. Après, j'ai rien touché au setup. Hein. Ah, c'est sympa, hein. Ah, la physique est bonne quand même, hein. Ah, j'ai
un âge tardif là. Ah, c'est bien. Hein. Ouais, ça glisse. Hein. On a un train hyper léger. Hein. C'est vraiment hyper léger. Hein. J'aime pas trop les freinages en roue braquée aussi. Hein. Ah mais c'est sympa. Hein. Ouais, ça glisse, hein. Les freinages en appui. Hein. On perd l'avant. Hein. Excellent. Hein. M'a fait sauter, j'ai perdu l'arrière du coup. Alors on est reparti. Pas bon là. C'est pas bon, elle s'ouvre là. Elle met la marche arrière. Ah, elle aime pas les freinages en appui en tout cas. Mais bon, c'est sympa à conduire. Hein.
Ah, c'est mieux là, le dégressif. Ah, c'est excellent. Ah, c'est mieux là. Ah, c'était juste là encore. Ah, ça fait encore un ou deux tours. Ah, le sourire, le sourire. Ah, c'est pas mal, hein. Mais ça s'ouvre énormément, hein. Après, c'est de la traction, hein. Bon, j'ai pas touché le setup non plus, hein. Ah, c'est mieux là. Ah, comme ça, sourire. C'est faire gaffe ici, ouais, elle saute et on perd vite le train arrière. Hein. Ah, c'est bien, c'est pas mal quand même. Hein. Ah, et un petit dernier. Après, on fera la conclusion. Elle n'aime pas trop quand même les freinages avec les roues braquées. Hein. C'est juste là.
Ah ouais, je vous l'avais dit, hein. Saute dans la chicane, on la perd, hein. Allez, voilà, on va se mettre là. Voilà, on va se mettre comme ça. Hop. Bon, que dire, ben franchement, c'est pas mal, c'est pas mal, hein. Après, c'est ça s'ouvre vachement, hein. Bon, c'est normal, c'est une traction, c'est du TCR. Mais pareil, hein, au freinage en appui avec les roues braquées, elle n'aime pas trop ça. On perd tout de suite le train arrière et aussi faire gaffe dans cette fameuse chicane là, si on prend trop les bosses, et ben pareil, on a tendance à perdre l'arrière. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est pas mal quoi. Une petite TCR de 2022, voilà, avec plein de skins. Sinon, dans l'ensemble, au niveau de la physique, tout ça, c'est pas trop mal. Je retrouverai le lien et je vous le mettrai dans la description. Voilà, si vous aimez cette vidéo, commentez-la, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne et mettez des petits pouces bleus pour faire évoluer la chaîne et la faire connaître. Et je vous dis à la prochaine les amis. Ciao, ciao!